Embrouillés par la controverse création-évolution. Cette question est-elle vraiment importante pour le christianisme ou n'est-elle qu'un à côté? Peut-elle influer sur la famille moyenne? M. Kenham, auteur d'origine australienne, a derrière lui des années d'expérience personnelle dans le ministère chrétien et l'éducation publique. Il a une compréhension unique de la véritable importance du livre de la Genèse et particulièrement sur la question fondamentale de la création contre l'évolution. M. Hahn est membre de l'Institut pour la recherche sur la création à San Diego, en Californie. Il a fait des centaines de discours pour des églises, des écoles et des facultés à travers le monde. Savez-vous que ce sujet de la création contre l'évolution est vraiment un sujet capital? Beaucoup de gens pensent, eh bien, c'est simplement un à côté. Qui vraiment s'intéresse au carbone 14 et à tout ça? Qui s'intéresse réellement aux détails techniques de la création ou de l'évolution? On dit qu'il est certainement plus important de répondre à des questions de société telles que l'avortement, la pornographie, l'homosexualité ou ce genre de choses. Je crois qu'une des réponses essentielles est que la question sur la création et l'évolution est fondamentale à toutes ces autres questions. Et que si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe au sujet de l'avortement, de la pornographie, de l'homosexualité, nous devons comprendre ce qui se passe au niveau de la création et de l'évolution. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement une guerre entre la religion et la science, la création étant la religion et l'évolution la science. Ils pensent que pour l'évolution, il y a des scientifiques impartiaux qui ont manifestement démontré que l'évolution est véridique. Je crois qu'il existe quatre faits généralement crus au sujet des scientifiques. La plupart des gens les croient impartiaux, objectifs, infaillibles et toujours avec une blouse blanche. Mais le vrai scientifique est partial, pas du tout objectif, humain, donc faillible, et il ne porte pas toujours de blouse blanche. Les scientifiques ont deux formes de base, hommes et femmes. Et ils sont juste comme vous et moi, et ils ont des convictions et des partis pris qui déterminent ce qu'ils font de l'évidence. Par exemple, pensez à un scientifique qui est athée. Un scientifique qui est athée dit que Dieu n'existe pas. Comprenez-vous que chaque fois qu'il voit l'évidence, il ne peut jamais se permettre la question ou l'option « Dieu a-t-il créé ? La Bible pourrait-elle être vraie ? Le déluge de Noé pourrait-il avoir existé ?» Un athée est 100% partial. Même s'il trouvait un grand bateau sur le mont Arara, cela n'aurait rien à voir avec le déluge de Noé. Cela serait un complot russe ou quelque chose comme cela. En d'autres termes, un scientifique qui est athée a déjà exclu que la preuve puisse avoir quelque chose à voir avec la Bible. Que dire d'une personne comme moi qui croit que le Dieu de l'histoire a révélé dans sa parole, la Bible, la vérité concernant l'histoire? Puis-je même considérer cette question, est-ce que Dieu n'a pas créé? Lorsque je regarde à l'évidence, la réponse est non, parce que je sais qu'il l'a fait. Ce n'est pas une affaire de parti pris, mais c'est plutôt quel est le parti pris qui est le meilleur pour être partial. Et vous savez, c'est ce parti pris qui déterminera ce que vous ferez avec la preuve lorsque vous l'aurez trouvé. L'évolution n'est pas une science, parce que la science ne peut traiter qu'avec ce qu'il y a dans le présent. C'est une conviction sur le passé dont ils se servent pour expliquer les faits qui existent seulement dans le présent. Il n'y avait aucun observateur à l'époque. Ils n'ont aucune trace écrite, ils n'ont pas de témoins dans le passé, ils ont des personnes qui ne savent pas tout et qui ont dit « Voici comment nous expliquons l'évidence du présent ». De l'autre côté, en tant que chrétien,
J'ai un livre qui affirme être la parole révélée de Dieu. Il dit que Dieu était là, qu'il était un témoin du passé, qu'il a rapporté tout ce qui était utile à notre connaissance. Et il nous a dit que le livre de la Genèse est un récit exact de l'origine et de l'histoire de la vie. Les preuves coïncident avec ce que la Bible dit sur le passé. C'est le cas de façon accablante. La preuve qui coïncide avec le déluge de Noé se trouve dans tous les fossiles. En fait, voyez-vous, ce n'est pas la religion contre la science, mais c'est réellement la science d'une religion contre la science d'une autre religion. Pour les chrétiens, la création est une croyance religieuse, mais elle est basée sur la révélation de quelqu'un qui était là, et nous pouvons aller le vérifier. Bien sûr, l'évolution est une religion, mais c'est une religion sans révélation. Une des choses que je veux souligner maintenant, c'est que l'évolution est une religion, ce n'est pas une science. La science concerne ce que vous pouvez traiter dans le présent, ce que vous pouvez observer, ce que vous pouvez vérifier régulièrement. L'évolution est une croyance, une religion. En fait, le dictionnaire définit la religion comme un concept, un principe, un système de croyance auquel on tient avec ardeur et foi. Et c'est exactement ce qu'est l'évolution. Laissez-moi vous lire un passage de la Bible, de la parole révélée de Dieu. Nous lisons ces paroles de Jésus-Christ, qui est le Créateur du monde. Et voilà ce qu'il dit. « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» C'est une déclaration intéressante que fait Jésus, n'est-ce pas ? Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles ? C'est ce qu'il nous dit. Vous savez, nous trouvons une déclaration semblable dans Luc 16. Là, nous avons l'histoire de l'homme riche qui est mort et est allé dans un lieu de tourment, et Lazare qui est allé auprès d'Abraham. L'homme riche souhaite retourner afin d'avertir ses frères sur ce lieu horrible, mais on ne l'y a pas autorisé. Et il a dit, « Eh bien, que Lazare retourne, que quelqu'un ressuscite des morts, parce qu'alors, ils croiront manifestement et ils se repentiront. » Et qu'a dit Abraham ? « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il y a plus de références à un des livres de Moïse qu'à aucun autre dans toute la Bible. Quel est ce livre ? C'est la Genèse. N'est-il pas intéressant que le livre de la Genèse soit celui dont on retrouve le plus de citations dans toute la Bible ? Et cependant, dans les cercles chrétiens et non chrétiens, c'est le plus raillé, le plus ridiculisé, écarté, rejeté, méprisé, tourné en allégorie ou en mythologie, mis en pièces. En d'autres mots, le livre qui est le plus cité, ou auquel on fait le plus de références, est celui qui est le plus attaqué. Pourquoi ? Psaume 11.3, le psalmiste nous dit ceci, « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? » Quand les fondements sont renversés, si vous essayez de construire une maison, comment vous y prenez-vous ? Si vous regardez des entrepreneurs au travail, vous remarquerez qu'ils commencent toujours par le toit. Ensuite, ils s'occupent du plafond, puis des murs. Est-ce bien ce qu'ils font ? Évidemment, non. Nous commençons par les fondations parce que nous savons que nous avons besoin de fondations pour que tout l'ouvrage se tienne. Si vous enlevez les fondations de la structure, que se passe-t-il ? La structure s'effondre, n'est-ce pas ? Nous avons besoin de saisir le fait que la Genèse est comme la fondation et que le reste de la Bible est une structure. Pourquoi ? Voyez-vous, toutes les doctrines bibliques de la théologie ont en fin de compte leur base dans le livre de la Genèse, que ce soit directement ou indirectement. La signification de toute chose est liée avec son origine. La signification du mariage est liée avec son origine qui se trouve dans la Genèse. La signification du péché est liée avec son origine qui se trouve dans la Genèse. La signification de la mort est liée avec son origine qui se trouve dans la Genèse. La signification de la semaine de 7 jours est liée avec son origine qui se trouve dans la Genèse, et ainsi de suite. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ? Trouve sa signification dans ce qui s'est passé dans la Genèse, de tous les événements du livre de la Genèse. Toutes les doctrines bibliques ont finalement leur base dans le livre de la Genèse. Si vous enlevez la fondation, que va-t-il arriver à la structure ? Elle va s'effondrer. Si vous désirez vous attaquer au christianisme et que vous vouliez détruire le christianisme dans toutes les nations du monde, l'une des meilleures façons de le faire serait d'attaquer ses fondations, parce qu'une fois la fondation retirée, la structure s'effondrerait.
L'une des façons dont cela se passe maintenant est l'attaque systématique du livre de la Genèse par la philosophie évolutive. Elle dit que l'évolution a prouvé que la Bible est incorrecte, et je crois que c'est l'une des attaques les plus virulentes contre le christianisme aujourd'hui. Quelle est la vraie différence entre la création et l'évolution ? Un jour, un étudiant est venu me trouver et m'a dit ceci. « Monsieur, pourquoi ne puis-je pas écrire mes propres règles concernant la vie ? Vous désirez écrire vos propres règles sur la vie ? Oui, monsieur. Eh bien, vous le faites, fiston, et je vous dirai ceci, je vais vous tuer. C'est impossible, monsieur. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien. Pourquoi n'est-ce pas bien ? Eh bien, parce que c'est mal. Pourquoi est-ce mal ? Eh bien, parce que ce n'est pas bien. Attendez, vous voulez écrire vos propres règles ? Oui ? Puis-je aussi écrire mes propres règles ? Bien sûr, monsieur. Très bien. Une de mes règles va être que des gars comme vous sont dangereux, et si je trouve assez de personnes de cet avis, nous allons vous éliminer de la société. Vous ne pouvez pas faire cela, monsieur. Pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas bien. Pourquoi n'est-ce pas bien ? Parce que c'est mal. Pourquoi est-ce mal ? Eh bien, parce que ce n'est pas bien. Il avait un problème, n'est-ce pas ? Il était évolutionniste, il ne croyait pas à la création. Il disait, je suis le produit du hasard, personne ne m'a créé, aussi je peux écrire mes propres règles, pourquoi pas ? Mais alors, il pouvait avoir sa propre opinion, une autre personne, une autre opinion. Chacun pouvait avoir n'importe quelle opinion, selon son désir. Si vous croyez à la création, qu'est-ce que cela signifie ? Cela ne veut-il pas dire qu'il y a un créateur et que vous lui appartenez ? C'est lui qui établit les règles. Il a toute autorité, il décide ce qui est bien et ce qui est mal, et il a le droit de le faire parce qu'il a tout créé. D'un autre côté, si vous croyez que vous êtes le fruit du pur hasard, à qui appartenez-vous ? À vous-même. Qui établit les règles ? Vous-même. Qui décide ce qui est bien et ce qui est mal ? Toujours vous. Dans le livre des Juges, il est dit concernant les Israélites que lorsqu'ils n'avaient ni roi, ni autorité absolue, personne pour établir les règles, personne pour dire ce qui est bien ou mal, chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux, dans son opinion personnelle. Plus les gens rejettent la création, plus ils rejettent la base que Dieu est l'autorité suprême, plus ils rejettent la loi de Dieu. Et Paul ne nous a-t-il pas dit que Dieu avait donné la loi afin que nous comprenions ce qu'est le péché ? Si nous enlevons la loi, alors qu'est-ce que le péché ? Plus les gens acceptent qu'ils sont le pur produit du hasard, comme cela est enseigné dans notre système éducatif public, plus ils se sentiront confortés par leur réflexion. Si personne n'établit les règles, pourquoi ne puis-je pas faire ce dont j'ai envie ? C'est quelque chose qui imprègne la société, comme une base absolue qui est rejetée et qui est remplacée par une autre qui dit « Tout est relatif, chacun peut avoir sa propre opinion ». Plus les gens rejetteront l'éthique chrétienne, plus nous verrons un rejet du mariage, plus nous verrons une augmentation des avortements, de l'homosexualité, de la pornographie, du dérèglement. Dites-moi, voyez-vous toutes ces choses ? Mais combien d'entre vous ont vraiment compris la relation entre ces questions sur l'avortement, l'homosexualité, la pornographie ou la licence, et le débat fondamental entre la création et l'évolution ? Comprendre cette relation est la clé pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde aujourd'hui. En tant que chrétien, je me rends compte que la seule façon d'arriver aux vraies conclusions est de me baser sur celui qui connaît tout. Nous avons un problème, nous ne connaissons pas tout. La seule façon d'être sûr d'arriver aux vraies conclusions est de se baser sur celui qui connaît tout. Personne ici dans cette catégorie ? Comprenez-vous que quelle que soit la quantité de connaissances que vous ayez, il y aura toujours infiniment plus à connaître ? Vous ne savez pas non plus ce que vous connaissez ou ne connaissez pas, ce qui veut dire, soyons réalistes, que nous ne savons pas grand-chose. En fait, aucun être humain ne connaît grand-chose, et c'est un vrai problème. C'est pour cela que les théories changent tout le temps, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, elles changent tout le temps. Je discutais avec un scientifique américain à la radio, et il disait que les théories scientifiques changeaient. J'ai répondu, c'est juste, ne change-t-elle pas parce que l'homme découvre des nouvelles connaissances ? C'est vrai, a-t-il répondu. Et j'ai dit, elles continueront à changer, n'est-ce pas ? C'est vrai, a-t-il dit. Alors j'ai dit, n'est-ce pas parce que nous ne savons pas tout ce qui est à savoir ? C'est juste. Et j'ai ajouté, nous ne saurons jamais tout, n'est-ce pas ? Il a répondu, c'est vrai. J'ai dit alors, cela veut dire que vous ne pouvez pas être sûr de l'évolution non plus, n'est-ce pas ? Il m'a répondu, non, l'évolution est une réalité. Ce que nous devons maintenant comprendre, c'est qu'aucun scientifique ne connaît toute chose. Cependant, j'ai un livre appelé la Bible, et la Bible affirme être la parole de Dieu qui connaît toute chose.
En d'autres termes, je ne peux pas ajouter mon raisonnement à la Bible. La Bible doit être la base de tout mon raisonnement et je dois soumettre toute ma réflexion à celui à qui j'appartiens et qui connaît toutes choses. L'un des aspects les plus tristes de toute cette philosophie qui dit que chacun a droit à sa propre opinion, c'est la manière dont cela déteint sur l'Église. En ce qui concerne des questions comme l'avortement, l'homosexualité, le rôle de la femme dans l'Église, etc., etc. Nous devons dire « Attention, nous appartenons à Dieu, il établit les règles, sa parole est infaillible, il est celui qui connaît tout. Commençons avec ce qu'il dit et bâtissons toute notre réflexion sur ces sujets à partir de là. » C'est très triste de voir que toute cette philosophie qui dit que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion infiltre notre société et même nos églises. Nous avons besoin de comprendre vraiment quelle est la seule vraie façon de réfléchir. Il y a un groupe en Australie qui s'était créé et qui s'appelait Tolérance. Il voulait promouvoir la tolérance de toutes les religions, les croyances et les doctrines. Ils ont publié une brochure faisant la promotion de cette tolérance et de toutes les croyances. Nous devons cesser d'être intolérants vis-à-vis des autres croyances. Sur la première page de cette brochure, il faisait la liste de toutes les choses auxquelles il s'opposait. Mais pourtant, il préconisait la tolérance de toutes les croyances. Que se passe-t-il lorsque les chrétiens arrivent et disent « Dieu décide ce qui est bien et mal. Dieu a établi les règles. » Les autres disent « Oh non, on ne peut pas tolérer cela. Nous devons tolérer toutes les croyances. » Ils sont intolérants sur les absolus du christianisme parce que les absolus du christianisme ne tolèrent pas leur philosophie qui dit que tout peut être fait si c'est en accord avec sa propre opinion. Toutes nos doctrines dépendent du livre de la Genèse. Prenons la totalité du message de l'Évangile et ce que Jésus a accompli sur la croix. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15 qui définit ce qu'est l'Évangile, il est question de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection des morts. Mais ensuite, Paul pose cette question, « Mais si les gens ne croient pas à la résurrection, que fait Paul ?» Il retourne tout droit au livre de la Genèse. Pourquoi ? Que trouvez-vous si vous retournez au livre de la Genèse ? Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient parfaits. Ils avaient une relation privilégiée avec Dieu. Dieu les a placés devant un choix, pour ainsi dire. Ils se sont rebellés contre Dieu. Cette rébellion, c'est le péché. C'est un aspect très important que nous devons comprendre. Le péché est venu en conséquence des actions de l'homme, la mort est venue en résultat du péché. Romains 5, verset 12 nous l'enseigne, 1 Corinthiens 15 aussi, de même que Genèse 3, 23, etc., etc. La mort physique est arrivée seulement après le péché commis par l'homme. Dieu a réclamé le sang versé en rémission du péché. Lorsque Dieu a créé les animaux, la Bible nous dit qu'ils étaient végétariens. Nous avons aussi été créés végétariens. On nous a dit que nous pouvions manger de la viande seulement après le déluge de Noé. À l'origine, il n'y avait pas la mort. Au fait, la Bible nous enseigne qu'un jour, toutes choses seront restaurées. Cela veut dire remis dans l'état où elles étaient à l'origine. Le lion, l'agneau et le loup seront ensemble et mangeront de la paille comme le bœuf. Il y aura un petit enfant qui les conduira. Pas de mort, ni de souffrance. Cela ne ressemble pas à notre monde actuel, n'est-ce pas ? Mais cela ressemble à la description de la Genèse. Beaucoup de non-chrétiens disent « Dieu ne peut pas être un Dieu d'amour, regardez tous ces morts dans le monde. » En fait, la vraie raison de la mort, c'est parce que Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi disons-nous cela ? En tant que chrétiens, nous devrions louer Dieu pour la mort. Lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu, il aurait dû être séparé de Dieu pour l'éternité. L'effet final du péché aurait été une séparation éternelle de Dieu. Mais Dieu n'a pas désiré cela. Il voulait que nous passions l'éternité avec lui. Alors, il a placé sur nous la malédiction de la mort, afin que nous soyons obligés de mourir. Ensuite, il est venu en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parfait et sans péché, qui a souffert cette même malédiction de la mort sur la croix. Il a été ressuscité des morts, afin que ceux qui placent en lui leur confiance en tant que Seigneur et Sauveur puissent passer l'éternité avec lui. Ce message du christianisme n'est-il pas formidable ? Comprenez-vous que si la mort et l'effusion du sang avaient existé avant le péché, les fondements du message de l'Évangile seraient détruits ? Dieu a fait en sorte que la mort et l'effusion de sang soient un moyen par lequel l'homme pourrait être délivré du péché et de ses effets terminaux. La Bible nous dit que vous voyez un monde maudit et pas évolutif.
Si vous croyez à l'évolution, qu'a donc fait le péché au monde? Si la mort a toujours été présente, alors elle n'est rien d'extraordinaire. Je crois que les chrétiens qui croient à l'évolution devraient sérieusement considérer le fait qu'ils sont en train de saper toute la base du message de la croix et de la restauration. À quoi allons-nous être restaurés? Cela va-t-il être la mort et la lutte pour des millions d'années? Tout le concept de la lutte pour la survie du plus fort et tout cela est complètement opposé à la nature de Dieu. Il a défini la création comme étant bonne. Afin de comprendre pourquoi Jésus est mort sur la croix, nous devons retourner au livre de la Genèse pour voir d'où est venu le péché, d'où est venue la mort. Tous les fondements du message de l'Évangile sont là dans la Genèse. Regardons un autre exemple. On a posé une question à Jésus sur le divorce. Il leur a dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?» Jésus cite le livre de la Genèse à plusieurs reprises. Il le prenait comme une vérité littérale, historique. En fait, il a construit ses doctrines, comme le mariage, sur les événements littéraux de la Genèse. Pourquoi a-t-il cité la Genèse? Parce que la signification du mariage prend ses racines dans le livre de la Genèse. Dieu a pris de la poussière et a créé Adam. Il a pris une côte et en a fait la femme. Vous devenez un lorsque vous êtes marié. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans la Genèse. Un autre exemple. La question de l'homosexualité n'est pas une question d'opinion. Dieu a créé le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Steve. Homme et femme, pas homme et homme. Il leur a dit d'être féconds et de se multiplier. En fait, il est dit dans Malachie 2.15 qu'un des buts primordiaux du mariage est la procréation d'une descendance sainte qui influera sur le monde pour Jésus-Christ, qui produira elle-même une descendance sainte qui influera sur le monde pour Jésus-Christ, etc., etc. Il est triste de constater qu'il y a autant de problèmes conjugaux et familiaux au sein de nos églises. Une des raisons principales, c'est parce que tant de gens ne comprennent pas que cela signifie que Dieu est le Créateur, qu'il établit les règles, que nous devons nous soumettre totalement, rien n'est affaire d'opinion. Lorsque vous vous mariez, vous êtes un avec votre mari et Dieu a un droit total sur votre vie. Et si vous voulez que votre mariage ou votre famille fonctionne, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est Dieu qui a créé l'unité familiale. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à accepter les rôles que Dieu vous a donnés, quelle que soit votre opinion? Ce n'est pas une question d'égalité, parce que les hommes et les femmes sont égaux. C'est ce qu'enseigne la Bible. C'est une question de rôle. Dieu a créé les femmes, Dieu a créé les hommes. Quel rôle nous a-t-il donné? Adam a d'abord été créé, Ève a été séduite, une femme sera soumise à son mari. Fin de l'argument, n'est-ce pas? L'homme sera le chef de la femme. C'est ce qu'enseigne la Bible. Ce n'est pas une question d'opinion. Mais allons-nous accepter ce que Dieu dit? Il est le Créateur. Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elles. Aimons-nous nos femmes d'une manière aussi sacrificielle? » En Genèse 18, 19, un père est complimenté sur la façon dont il a élevé ses enfants. Qui est le chef de la maison? Le chef spirituel? Les pères. Qui passent du temps à prier et à lire la Bible avec les enfants dans la majorité des familles chrétiennes et qui les élève spirituellement, maman ou papa? Et souvent, c'est maman. Et vous savez que ce n'est pas normal. Les mères doivent être impliquées, bien sûr. Mais si les pères ne prennent pas cette responsabilité spirituelle, vous allez souvent voir les fils se rebeller contre le christianisme. Et les filles se marier avec des hommes non chrétiens et se mettre dans le pétrin. Si vous ne leur donnez pas la bonne fondation, la structure ne tiendra pas debout. Nous voulons que cette structure soit transmise à la prochaine génération, n'est-ce pas? Et si nous ne leur donnons pas la fondation pour la structure, n'espérez pas que la structure tienne debout. Un homme était venu me dire, « Mes fils se sont rebellés contre le christianisme. Ils m'ont dit, pourquoi devrions-nous obéir à tes règles ?» Cet homme m'a dit, « Je ne les avais pas enracinés dans la certitude que c'est Dieu qui est le Créateur et qu'il établit les règles. Ils ont vu tout cela comme si c'était mon opinion et ils ont décidé d'avoir la leur. » En parlant de la prochaine génération, qui à son tour aura un effet sur les générations à venir,
Pensez aux aborigènes d'Australie ou aux Indiens d'Amérique. Lorsqu'on les a découverts, ils étaient un peuple anti-dieu qui adorait les mauvais esprits. Les aborigènes en étaient à l'âge de pierre, et pourtant leur ancêtre était Noé, si la Bible dit vrai. Leurs ancêtres pouvaient faire des instruments de musique, savaient construire des bateaux, connaissaient Dieu. Que leur est-il arrivé? Quelque part, dans leur ascendance, ils ont rejeté Dieu. Et combien de temps cela prendrait-il pour produire une race dite primitive? Une génération. Regardez les hippies en Australie qui vont dans les jungles, ont des enfants et ne leur enseignent ni la Bible, ni la technologie ou la médecine, et vous produisez une race primitive en une génération. Je crois que nous avons une effrayante responsabilité, car si nous ne leur donnons pas la bonne fondation, la structure qui aurait dû tenir ne tiendra pas debout. Prenons une autre question, la tenue vestimentaire. J'ai remarqué aujourd'hui que vous portez tous des vêtements. C'est très bien. Pourquoi portez-vous des vêtements? En réalité, la raison pour laquelle nous nous habillons est une raison morale. Dieu a donné des vêtements à cause du péché. Où trouvons-nous cela? Dans le livre de la Genèse. Qu'y trouvons-nous? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient nus. Ils se sont rebellés contre Dieu. Le résultat a été que le péché est entré dans le monde. Le péché a déformé la nudité. Le péché déforme tout. Qu'a fait Dieu? Il leur a donné des manteaux. C'était le premier sacrifice sanglant, un revêtement pour leur péché. C'est une belle image de quelque chose à venir, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament nous dit que si un homme convoite une femme dans son cœur, il a commis un adultère. Pourquoi mettre les hommes sur la sellette? Parce que les hommes répondent sexuellement très facilement au corps des femmes, n'est-ce pas? Une fois, j'ai dit cela dans une conférence pastorale, et un jeune pasteur s'est levé et a crié « Amen !» J'ai eu une petite discussion avec lui ultérieurement. Les hommes ont été créés de cette façon, et c'était en réponse à une femme dans une relation parfaite, leur épouse. Mais maintenant, le péché a déformé cela, et les hommes ont un problème qui s'appelle la luxure. Au fait, vous les pères, avez-vous dit à vos filles comment sont les hommes? Parce que si vous ne leur dites pas, elles ne le sauront pas. Et elles doivent savoir que ce qu'elles portent ou ne portent pas peut être très facilement une pierre d'achoppement pour un homme, et que cela lui fera commettre un adultère dans son cœur. Ce n'est pas une question de mode, et ce n'est pas une question de se battre avec elles. Vous savez comment ça se passe. Tu ne vas pas mettre cela, ma fille. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas bien. Pourquoi n'est-ce pas bien? Tu ne devrais pas porter cela. Pourquoi pas? Parce que c'est mal. Pourquoi est-ce mal? Parce que les chrétiens ne mettent pas cela. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas cela. Pourquoi pas? Mais maman et papa, ce que vous êtes vieux jeu, ce sont vos opinions, moi j'ai les miennes. En fait, voilà ce que nous devrions dire à nos enfants. Tu comprends que Dieu est le Créateur, il établit les règles, toute cette doctrine remonte au livre de la Genèse. Ce n'est donc pas une question d'opinion personnelle, c'est une question de retourner à cette autorité absolue et de voir ce qu'il dit au sujet de l'origine des vêtements. Pourquoi il a donné des vêtements, comment sont les hommes, etc., etc. Ce n'est pas une question d'opinion, parce que Dieu nous le dit. Nous devrions édifier un standard vestimentaire qui soit en accord avec la raison pour laquelle les vêtements ont été donnés. Si nous prenons la fondation de la création, nous croyons en Dieu le Créateur, nous comprenons le livre de la Genèse littéralement comme une vérité historique, alors nous comprenons notre doctrine. Nous savons pourquoi nous croyons dans le bien et le mal et le mariage. Dieu établit les règles. Nous avons une autorité absolue. Nous savons pourquoi nous portons des vêtements. Et pourquoi nous avons un standard vestimentaire. Nous savons ce qu'est la vie. Nous comprenons toutes ces choses parce que nous avons cette fondation pour que la structure puisse se construire dessus. Mais si vous retirez la base de la création, si vous croyez que vous êtes simplement un produit de la chance, si vous croyez que l'évolution est vraie, qui établit les règles? Vous. Alors pourquoi ne pas être sans loi dans ce sens? Pourquoi ne pas être homosexuel? Cela n'est-il pas une autre opinion? Pourquoi ne pas enlever vos vêtements? Pourquoi ne pas faire ce que vous avez envie de faire sexuellement? Après tout, il n'y a pas de règles sauf celles que vous faites à votre convenance. Nous sommes simplement des animaux de toute façon. Qu'est-ce que cela peut bien faire? Combien de gens voient la relation existante entre l'avortement et l'évolution? On enseigne aux gens qu'ils ne sont que des animaux. On se débarrasse des champs en surnombre, on se débarrasse des enfants en trop. Qu'est-ce que cela peut faire puisqu'on est tous des animaux de toute façon? Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes le fruit du hasard, il n'y a pas de Dieu. Un homme qui s'appelait Ernest Haeckel
a dit « Lorsqu'un embryon se développe dans l'utérus de sa mère, il passe par la phase du poisson avec ses branchies jusqu'à ce qu'il devienne humain. » Vous souvenez-vous que l'on vous a enseigné cela ? Eh bien, c'était une tromperie. Il l'avait inventé de toutes pièces. Pourtant, c'est toujours enseigné dans certaines universités dans le monde à l'heure actuelle. C'est utilisé pour justifier la jeune fille. Vous enlevez seulement un poisson ou une méduse. Combien de gens comprennent vraiment que l'avortement et l'évolution vont de pair ? La popularité croissante de l'avortement est allée de pair avec la montée de l'évolution. Considérez d'autres questions brûlantes comme le racisme. Comprenez-vous que le racisme et l'évolution vont de pair ? Il faut le voir historiquement. Ceux qui croyaient à l'évolution ont dit « parce que l'évolution est vraie, les différentes races ont évolué de façon différente, donc il y a des peuples qui ne sont pas aussi avancés que d'autres ». Et lorsque les premiers colons blancs sont arrivés par exemple en Australie, dans l'état de Tasmanie, ils se sont alignés à différents endroits au travers de l'état et ont tué tous les aborigènes qui passaient par là. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des primitifs tout simplement et qu'ils ne pourraient pas comprendre la technologie de l'homme blanc. Ils étaient les produits de l'évolution. Lorsque nous voulons comprendre les racines de nos idées racistes, nous devrions examiner notre système éducatif qui enseigne que l'homme est le produit de l'évolution. Prenons un autre exemple, Hitler. Il admettait qu'il croyait à l'évolution, et ce qu'il croyait sur l'évolution a déterminé ce qu'il a fait des juifs. Il mettait simplement en pratique la théorie de la survie du plus fort, becs et ongles. Nous sommes la race supérieure et nous allons éliminer les autres. Les historiens disent que l'action d'Hitler était en harmonie avec ses convictions sur Darwin et l'évolution. Je connais un maître de conférence à l'université de Sydney. Il dit ceci. Les étudiants chinois me disent que lorsque quelqu'un devient chrétien, la première chose qu'ils lui demandent c'est « Ah, vous avez renoncé à Darwin !» Pour eux, devenir chrétien s'assimile à renoncer à l'évolution darwinienne, parce que toute l'idéologie communiste se justifie nécessairement par un point de vue sur l'origine qui nie l'existence de Dieu. Nous avons vraiment besoin de saisir que tout ce que nous croyons au sujet de l'origine de l'homme influence notre vision de la vie et de notre prochain. Et plus l'on enseigne aux gens qu'ils sont le fruit du hasard et qu'ils ont des animaux dans leurs ancêtres, plus vous les verrez agir de cette manière. Si on est le fruit du hasard, alors pourquoi ne pas en faire à sa guise ? Pourquoi ne pas fixer nos propres règles ? Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. De l'autre côté, nous pouvons comprendre que lorsqu'on en vient aux questions d'homosexualité, de drogue, d'avortement, d'infanticide, de pornographie, de violence, de divorce, de promiscuité, etc., etc., tout ceci n'est pas la conséquence de l'animal dans notre ascendance, mais la conséquence du péché. Et puisque ce sont les résultats du péché, on ne devrait pas les dorloter ni les justifier sur la base de l'évolution, mais ils devraient être condamnés et jugés s'ils ne sont pas d'abord confessés, pardonnés et oubliés. Nous voyons l'éthique chrétienne s'effondrer autour de nous. Les chrétiens disent « le monde va de mal en pis ». Mais que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce ainsi ? Plus vous enlevez la base de la création et plus vous la remplacez par une philosophie évolutionniste qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, plus vous verrez augmenter tout ce dont nous avons discuté auparavant. Et les gens me disent, est-ce que vous blâmez donc la théorie de l'évolution pour ce qui se passe dans la société ? En fait, comme je vous l'ai montré, c'est l'évolution. L'évolution n'est pas basée sur des preuves scientifiques. C'est une philosophie. À présent, imaginez deux châteaux. L'un s'appelle humanisme, sa fondation est l'évolution, avec tout ce qu'on a évoqué auparavant comme l'avortement, l'homosexualité, etc. Le deuxième, c'est le christianisme, sa fondation est la création. Savez-vous qu'il y a une vraie bataille en cours dans notre société ? Dans chaque château, il y a des gens armés et leurs canons sont pointés sur l'adversaire. Laissez-moi vous dire où la bataille a lieu. Les évolutionnistes le savent bien. Pointez les canons sur la fondation, détruisez la création et la structure s'effondrera. Que font les chrétiens ? La plupart du temps, ils se descendent l'un l'autre. Ils ont leurs canons pointés l'un vers l'autre. Ou bien ils sont pointés vers nulle part, ou encore sur les problèmes. Nous désirons lutter contre l'avortement parce que c'est mal. Pourquoi ? Parce que le fœtus est un être humain. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que c'est évident. Pourquoi l'avortement est-il mal ? Parce que ce n'est pas bien. Pourquoi n'est-ce pas bien ? Parce que c'est mal. Combien de personnes combattent au niveau des problèmes au lieu de dire « Dieu est le créateur,
Il a établi des règles, regardons ce que dit sa parole. Au psaume 51 et 139, on peut lire qu'au moment de la conception, vous êtes un être humain, donc l'avortement est un meurtre. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas des animaux, Dieu nous a créés. Si nous ne luttons pas au niveau de la fondation, même si nous obtenons de nos jours le changement des lois sur l'avortement ou la pornographie, que se passera-t-il lorsque la génération suivante arrivera avec ses convictions sur l'évolution ? Ne changera-t-elle pas à nouveau les lois ? Il y a une bataille en cours dans notre société, celle du christianisme contre l'humanisme. Mais au niveau de la fondation, c'en est une entre la création et l'évolution. Tout cet enjeu création contre évolution n'est pas une question secondaire. C'est l'une des questions les plus fondamentales et importantes de nos jours. Et si les chrétiens ne saisissent pas quel est l'enjeu de base, alors nous n'allons pas avoir à long terme de grands succès dans l'évangélisation de notre société. Il y a un autre aspect à ceci. Nous voulons proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Mais savez-vous qu'1 Corinthiens 1 dit que la prédication de la croix est une folie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs, une folie pour les non-Juifs. Si vous considérez le livre des Actes, lorsque Pierre est allé vers les Juifs, son message principal était « ce Jésus-Christ que vous avez crucifié ». Les Juifs croyaient vraiment à la création, leur fondation était la création, n'est-ce pas ? Mais lorsque Paul est allé vers les Grecs, dans Actes 17, il a mentionné la résurrection. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pourrions-nous savoir quelle étrange doctrine tu enseignes ? Qu'a dit Paul ? Ce que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Il est le Créateur, celui qui soutient le monde. Il a créé à partir d'un seul sang toutes les nations qui habitent sur la surface de la terre. Voyez-vous ce que Paul a fait ? Il a pris comme point de départ la création, parce que les Grecs croyaient à l'évolution. Ils ne croyaient pas à la création. Plusieurs missions évangéliques ont décidé, lorsqu'elles vont dans une tribu païenne, de commencer non pas avec Matthieu, Luc, Marc ou Jean, mais avec la Genèse, afin de leur dire qui est Dieu, d'où ils viennent, d'où proviennent le péché et la mort, pour qu'ils puissent comprendre le message de la croix. Il y a des années, notre société était comme celle des Juifs. Elle avait comme base la création. C'était enseigné dans les universités, les écoles, des évangélistes venaient enseigner le message de la croix, et ils obtenaient une formidable réponse. Mais il y a eu un changement, et l'Église l'a manqué. Les jeunes générations sont comme les Grecs, elles n'ont plus cette base de la création, et si on leur prêche la croix, c'est une folie pour elles. Si nous voulons vraiment être efficaces et atteindre les païens, nous devons prendre pour base la création, parce que l'évolution est devenue l'une des plus grosses pierres d'achoppement pour le monde d'aujourd'hui. À cause de l'évolution, il n'est plus réceptif à l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme la parabole du semeur et de la semence. La semence ne peut pousser que lorsqu'elle tombe dans un terrain préparé. Il reste très peu de terrain préparé, et nous devons d'abord aller abattre les arbres, enlever les pierres. C'est une évangélisation du type pionnier qui laboure le terrain, afin de pouvoir planter la semence. Pour être honnête, la plupart de notre effort d'évangélisation n'atteint que ceux qui ont un certain arrière-plan religieux, ou quelques connaissances du christianisme ou de Dieu. Nous n'atteignons pas les païens. Et il y en aura de plus en plus, à cause de l'éducation sans Dieu. Et ces générations seront de plus en plus difficiles à atteindre. L'évangélisation par la création est l'un des moyens les plus importants de nos jours. L'enjeu est le christianisme contre l'humanisme. Oui, mais au niveau de la fondation, c'est l'enjeu de la création contre l'évolution. Et pour tous ces chrétiens qui disent que cela n'a pas vraiment une grande importance, ils ignorent tout simplement la bataille de fond qui est si répandue dans notre société. Nous devons nous impliquer dans cette bataille de fond. Nous devons aller attaquer l'évolution en tant que religion, et nous devons restaurer les fondations de la création afin que toute la structure puisse de nouveau s'édifier et tenir debout. C'est vraiment une question importante. Il y a une guerre qui fait rage. Êtes-vous impliqué dans cette bataille ou ignorez-vous ces questions de base ? Les producteurs de ce film ont réalisé une série de films qui s'appelle « Les origines, comment le monde a été fait ». C'est une série de 6 films de 30 minutes. Chaque film est fait par des professionnels, ils sont vivants et avec des couleurs magnifiques. Ces films sur les origines sont une aide idéale pour démontrer que la création est véridique.